Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer gloire le Seigneur, gloire, celui qui vit éternel à jamais. Nous avons encore grand merci à la chorale. Sans que petit à petit vous nous convainquez pour que nous puissions organiser une journée de louange. Et d'adoration pour la gloire de notre Seigneur. Soyez les bienvenus encore ce dimanche. Si tu peux m'aider à saluer celui qui est à tes côtés en lui souhaitant la bienvenue au centre missionnaire Philadelphie Matadi. Lorsque la chorale est en train d'animer les cantiques, je voyais certaines personnes dire à moi. Ma papa COVID, ma elle est à la meilleure assise de Dasukia. Amen. Et que faire encore? À Dieu seul soit la gloire. Merci pour ceux qui ont dansé spirituellement. Avec beaucoup de retenue. À Dieu seul soit la gloire. Merci pour ceux qui ont aussi esquissé quelques pas de danse. Parce que les opportunités pareilles ne reviennent pas toujours. Amen. Amen. Les attitudes du surnaturel. C'est que non pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus seulement ce dimanche? Nous ne serons pas à mesure de faire un long rappel, mais nous vous inviterons à vous connecter dans notre page YouTube. Comme ça, là, vous allez suivre le premier et le deuxième jour. Mais nous devons continuer au troisième jour. Et vous allez passer pour la mission dans tout le monde, les deux hommes qui la maillent, sont au bataille pendant les bandes. Il y a votre Seigneur, la mission au Zonga, au Kébo, Kota, la page YouTube de l'Église, la mission. Comment aimer ses ennemis? Comment aimer ses ennemis? Nous prenons Luc chapitre 6, verset 27, je vais lire seul. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Je vous dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Le dimanche passé, nous avons pris 4 points pour montrer comment aimer ses ennemis. Nous ne devions pas seulement se limiter à susciter des sentiments affectifs d'amour. Mais nous devons faire un effort conscient. Poser un acte d'amour volontaire. Nous avons dit deuxièmement, c'est garder l'épée de la vengeance dans son four. Et troisièmement, c'est garder son cœur pour tout en privilégiant la paix, être des artisans de la paix. Et quatrièmement, c'est là où nous sommes arrêtés, c'est pardonner. Et nous avons dit que quatrièmement, c'est le point le plus fort. C'est le point le plus important. Aimer ses ennemis par-dessus tout, c'est pardonner. C'est là où nous avons posé encore trois bases, qui sont des signes qui indiquent qu'il y a réellement pardon. Le premier des signes, nous avons dit que le pardon est un signe d'humilité. C'est là où nous avons vu Jacob venir vers Esaü en se prosternant 7 fois. Nous avons rappelé en deuxième lieu que le pardon c'est un signe d'engagement. Le pardon ne se fait pas par dérogation ou par procuration. Dans ces récits de Genèse chapitre 32, la Bible nous dit
Jacob a commencé en premier lieu d'envoyer ses serviteurs avec beaucoup de présents. On ne présente pas des cadeaux pour chercher à être pardonné. On ne séduit pas ou bien on ne vient pas corrompre les gens pour gagner leur cœur. Les présents ont précédé Jacob. Esaü a donné la bonne attitude pour savoir pardonner, c'est la rencontre personnelle. Troisièmement, nous avons dit que le pardon, c'est un signe de volonté. En Genèse 32, verset 7, la Bible nous dit que Jacob fut effrayé et saisi d'angoisse. Mais malgré tout cela, il fallait prendre toutes ses forces pour aller chercher Esaü. Ce matin, j'aimerais continuer en ouvrant une parenthèse. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Lisons le verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Qu'il ne me frappe avec qui? La mère et... Prenons le verset 22, que nous dit la Bible. Commençons même à partir du verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans les camps. Il se leva la même nuit, prit. Nous sommes avec nos Bibles. Je prie que nous puissions lire parce que la parenthèse consiste à ce que nous puissions remarquer ce qui est dit par Jacob. Est-ce que tout le monde est avec sa Bible? Genèse 32, le verset 11, nous avons lu. Et le verset 22, la Bible nous dit, il se leva la même nuit, prit. J'aimerais que vous puissiez répondre. Il prit quoi? Continue. Et quoi encore? Et passa le gué de Jabok. Mais lorsque nous lisons le verset 21, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il vienne et qu'il ne me frappe avec. Jacob, quand il prie devant l'Éternel, il dit la mère. Mais lorsqu'il parle seul, lorsqu'il prépare, il tente de protéger sa famille. La Bible dit qu'il parle de ses deux femmes, ses servantes et ses enfants. Nous semblons que c'est contradictoire. Quand il faut prier, c'est la mère, pas les mères. Maman, ça passe. Mais quand il faut protéger sa famille, il décrit clairement tous les membres de cette famille. Parle de ses deux femmes. Parle des servantes. Il parle des enfants. Mais quand il est devant Dieu, il dit la mère, pas les mères. Alobi, maman, moi aussi. Il dit la femme, pas les femmes. Alobi, basi nangate, moi aussi nangate. Je prierai un nom ce matin. Toute relation que tu ne sais pas dédiée ou recommandée à Dieu, arrête.
c'est Janine, je ne dis pas que c'est Janine en réalité, qui est en train de semer le trouble dans ton foyer et que tu ne sais pas prier devant Dieu. Seigneur, tu connais qu'à la maison, il y a Elisabeth et il y a aussi Janine. Devant Dieu, c'est l'unique endroit où on saura la vérité. Devant Dieu, c'est l'unique endroit où on saura qu'il n'y a qu'une seule femme. Et toi, continue-tu avec Elisabeth que tu ne sais jamais prier. Je prie à quelqu'un. Lorsque tu ne sais pas dire cela devant Dieu, arrête cette relation. Jacob nous montre que la polygamie n'a jamais été le plan de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce que les hommes pouvaient me dire amen? Jacob nous enseigne ici que la polygamie n'a jamais été le plan de Dieu. Il décrit clairement qu'une seule femme et 11 enfants. Toute relation que tu ne sauras jamais prier pour que la main de Dieu garde ou protège cette relation, arrête. Jacob nous décrit qu'il n'y a qu'une seule relation. C'est la mère et les enfants. Laisse Elisabeth. Il n'y a qu'une femme qui est dans ta maison. Il n'y a qu'une femme qui est avec toi. Il n'y a qu'une femme que tu dois épouser. Il n'y a qu'une femme que tu dois fidéliser cette relation. Devant Dieu, c'est là où on reconnaît que l'adultère, prie aussi en vérité et sincèrement. La vérité seule, c'est dans la prière. La vérité seule, le sabo et mon mot, te dira que cette vie de prostitution n'est pas le choix de Dieu. La vérité seule, dans la prière, te montrera que cette promotion n'a pas été sincère. Tu ne sauras jamais prier devant les saints des saints en cachant les choses. Devant les saints des saints, c'est là où on dira toute la vérité. Une façon de découvrir la direction divine dans ta vie, c'est de mettre en pratique toutes les prières que tu dis à Dieu. Et je suis sûr ce matin que cette prière ne mentionne jamais cette fille-là du quartier. Ne mentionne jamais ces mains-là longues qui ont touché par-ci par-là. La direction divine, c'est la prière. C'est ce que tu sors de ta bouche et que tu dis devant celui qui t'a créé. Je peux fermer la parenthèse. Est-ce que je peux fermer la parenthèse? Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes? Commençons à partir du verset 4. Nous allons même commencer à partir du premier verset. Pour une bonne compréhension. Genèse chapitre 33, à partir du premier verset. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Jacob. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent.
Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Jacob Azaka a son moi. Ésaü a vu les femmes et les enfants. Mais Jacob répond, est-ce que tu peux dire à un homme, Koko Tizanzambe na Makambwana te? Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Quatre principes par rapport aux données. Par rapport à ce qui est spirituel, par rapport au surnaturel, par rapport à notre présence au culte. Alors qu'ils étaient en train d'avancer de tous les côtés, de deux côtés, la Bible nous dit que Ésaü avançait et Jacob s'est préparé aussi à la rencontre d'Ésaü. Et qu'est-ce qui va se faire? Jacob qui vient, c'est celui qui a trompé son frère à deux reprises. Il a récupéré premièrement le droit d'aînesse. Deuxièmement, c'était la bénédiction dédiée à son frère qui était le fils aîné. Se rendant compte que parfois au cours de la vie, on ne peut pas progresser si on a des différends envers nos frères, envers les gens avec qui nous avons passé des bons passés. On va se dire, assurément, lorsque je vais envoyer mes serviteurs avec un présent, le cœur de mon frère me sera favorable. Il met les serviteurs avec beaucoup de bêtes. Et c'est alors que Ésaü va le rappeler. À qui débute tout ces biens? Je suis déjà dans l'abondance. Je voudrais prier à quelqu'un. Lorsque Dieu organise le plan de la réconciliation, lorsque Dieu aimerait nous réconcilier, afin que la culpabilité qui ronge notre cœur soit traitée, le présent n'a pas de place. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu ce matin, c'est pour marquer ou manifester le niveau de la réconciliation que nous avons eu avec Dieu. La première des choses pour les cultes, car ceux qui peuvent rendre un culte à Dieu, c'est sûrement des gens qui se sont réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. On ne peut pas avoir un culte sans réconciliation. Amen. Et ça lui donne une leçon très capitale. Le présent, les offrandes ne peuvent pas précéder le plan de Dieu dans les saluts. Nous ne venons pas dans un culte pour donner les dîmes. Nous ne venons pas au Seigneur pour donner les offrandes. Mais nous venons d'abord pour que chacun de nous arrange les problèmes de son cœur avec Dieu. Raison pour laquelle, avant de venir au Seigneur, Matthieu 25, verset 21 jusqu'à 27 nous le dit. S'il était question que tu présentes ton offrande à Dieu et que tu te rends compte que tu as un problème contre ton frère, laisse de côté ton offrande et rentre d'abord, continuer, arranger. C'est ce que Ésaü aimerait faire comprendre à Jacob. La réconciliation n'est pas basée sur le présent.
La réconciliation ne porte pas sur le présent. Les cultes n'est pas organisé pour les offrandes. Mais le culte est organisé afin que nous puissions revoir notre degré d'intimité avec Dieu. Car ceux qui vont entrer fatigués, nous verrons en ces lieux la raison d'être fort. Rien que par une prédication, tu peux te relever et que la vie de prière qui était absente commence à renaître. Je prie qu'en venant en ces lieux, ne prépare pas seulement les poches, mais prépare aussi ton cœur. Car il n'y a pas plus grande offrande. Donner à Dieu si ce n'est son cœur. Dieu cherche un cœur ce matin. Je vais dire à Jacob, Esaü n'a pas besoin de tes présents. Il est déjà en abondance. Dieu lui a déjà donné tout. Mais ce qu'il aimerait, c'est ce qu'il te serre dans ses bras. Et que tu puisses pleurer avec lui. Je prie à quelqu'un, ne sors pas en ces lieux. Si tu n'as pas encore serré les mains de Dieu, afin que tu puisses pleurer avec lui. Et lui seul est capable d'effacer de là, d'essuyer cela. Et c'est alors que tu diras, oui, nous ne le pas. Ce n'était pas les offrandes. Et c'est là qui m'a constaté. Dieu ne m'attendait pas pour ça. Mais Dieu m'attendait pour que mon cœur puisse rencontrer son grand amour. Quand vas-tu commencer à préparer ton cœur? Les offrandes sont parfois faciles à préparer. Mais cela ne doit pas précéder ton cœur. Jacob, ça fait 20 ans. Et ça n'est pas Esaü ne t'a jamais vu. Ne t'a jamais vu. Vous avez eu des différends. La fureur et la colère ont été manifestées. Mais cette rencontre d'aujourd'hui ne porte pas sur ça. Je prie à l'église ce matin. Ce qui compte, ce n'est pas la main que tu vas mettre dans ta bouche. Être dans un culte, ce n'est pas l'offrande qui va déterminer cela. Être dans ce culte ce matin, ce n'est pas l'offrande qui dira sûrement tu étais à l'église. Mais c'est le cœur qui va le dire. Tu as besoin de ton cœur. Le ciel ne manque de rien. L'éternité ne manque de rien. Mais c'est ton cœur que Dieu vise. Bien sûr, tu l'as mis à côté. Je ne sais par quelle poche. Mais Dieu attend une poche que tu n'as pas saisie. Cette poche-là ne garde pas seulement le sang. Mais cette poche-là, l'Éternel aimerait entrer là-bas. Lorsque Jacob voulait faire sortir pour donner à Esaü, ce n'était pas ça que Dieu cherchait. Les changements, la vraie repentance n'est pas ce que nous faisons sortir, mais c'est ce que nous faisons entrer. Dieu aime entrer dans ton cœur afin d'arranger tous les points d'amertume. Et je bénis ces paroles ce matin, parce que Dieu était réellement entré dans le cœur de Jacob. Et c'est alors que la rencontre avec Esaü s'est passée dans la paix. Et ça, la lumière. Ta conversion, bon, ce qui va changer ta vie, c'est l'entrée de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ce que tu vas faire sortir qui va changer les choses. Tu peux donner tout ce que tu peux donner.
Tu peux acheter tout ce que tu peux acheter. Mais si tu n'as jamais invité Jésus dans ton cœur, je t'en prie bien aimé, il y a une poche spéciale que Dieu aimerait entrer. Cette poche-là, ça s'appelle le cœur. C'est là où Dieu devait habiter. C'est là où Dieu devait arranger. Et lorsqu'il entre dans ton cœur, je t'assure, celui qui reçoit Jésus n'a plus de conflit. Celui qui reçoit Jésus n'a plus de passé obscur. Celui qui reçoit Jésus n'a plus de contentieux. Celui qui reçoit Jésus, il salue tout le monde. Il ne cherche pas ceux qui se présentent en riche, mais il salue tout le monde. Lorsque Jésus entre dans ton cœur, c'est un nom qui est donné au roi essence. Mais si Jésus n'est pas dans ton cœur, tout est donné. Nous ne vont rien résoudre. Notez un point. Ce que veut dire le pleur de Jacob. Esaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Les deux se sont mis à pleurer. Mais que veut dire le pleur d'Esaü et que veut dire le pleur de Jacob? Lorsque nous nous réconcilions, il y a toujours des responsabilités qui sont partagées. Il y a l'autre qui doit déclarer clairement qu'il ne va plus refaire ses erreurs. Il y a de l'autre côté, l'autre aussi qui va déclarer que je t'encourage, sois sage et responsable cette fois-ci. Premièrement, le pleur de Jacob veut dire, le présent n'a jamais été en mesure d'unir les deux frères. Premièrement, le présent n'a jamais été en mesure d'unir deux frères. Le pleur de Jacob, la première chose qu'il regrette tout le temps, tout ce qu'il pouvait aménager, tout ce qu'il pouvait arranger, tout ce qu'il pouvait acheter. Je t'en prie bien-aimé, ce qui compte ce n'est pas le pain que tu vas acheter pour elle. Parfois ce qui compte ce n'est pas la nourriture qui passera sur la table, mais ce qui compte avant tout, c'est la vérité. Un cœur sincère, c'est ce que l'autre attend de toi. Car lorsque le pardon est accordé à celui qu'on accorde le pardon, le futur devient une grande responsabilité. Et cette responsabilité ne veut rien dire d'autre que je ne veux plus revenir sur ces bêtises. Deuxièmement, ce que veut dire le pleur de Jacob, le pardon ouvre la porte à une destinée meilleure. Jacob avait déjà un chef-d'œuvre. Oui, Jacob a dit qu'il y avait plusieurs bêtes. Il est devenu riche. Il pouvait aller en Cana. Mais jamais Cana. Si tu n'as pas arrangé le conflit avec ton frère, c'est là où le pas blesse. J'ai connu des gens riches, mais qui ne traitent plus la parole avec leur frère. Ils peuvent voyager comme ils veulent. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent.
Mais parfois, il y a quelque chose qui les blesse. Il peut se brûler une belle carrosse. Mais il y a quelque part quelque chose qui blesse. Parce qu'il y a un problème, il y a un conflit avec son frère. Il y a un conflit avec sa mère. Il y a un conflit avec son père. Il y a quelque part un conflit avec un collègue de service. Je prie, tu peux avancer. Mais il y a aussi besoin de retourner en arrière. Car tu le sais clairement qu'aujourd'hui, lorsque tu circules sur la ville de Matadi, il y a des avenues que tu ne peux jamais passer. Lorsque tu vois seulement cette avenue-là, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur qui te dérange. Et si jamais je les rencontre, et si jamais on s'est croisé, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est aujourd'hui la réconciliation. Amen. Amen. Quelles sont les avenues que tu n'as jamais voulu fréquenter? C'est là où tu retrouveras qu'il y a des Esaü que tu as laissé là-bas. Tu peux aller loin. Tu peux être promu. Mais il y a des endroits que tu ne peux jamais fréquenter. Et je vis même des responsables d'entreprise. Problème avec leurs agents. Mais il est si bien. Élevé qu'il est. Directeur qu'il est. Mais il sait bien que lorsque mes yeux vont croiser cet agent, il y a quelque chose qui dérange. Et bien même des parents ont eu des problèmes avec leurs enfants. N'as-tu jamais vu un parent en train de fuir son enfant? Parce que les conflits entre eux ont dérangé tout le monde. Et ce matin, c'est le jour d'arranger avec Isaïe. C'est le jour d'appeler Isaïe. C'est le jour de lui poser la question: comment vas-tu? Tout n'aille au sein de l'Église. Que de contentieux entre nous. Cela peut arriver même à l'église. Et tu le sais bien. Que si tu le croises, il y a quelque chose qui dérange. Amen. 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 Il y a une porte que Dieu a déjà ouverte. Et ça n'est pas que la raison pour laquelle tu as quitté Charan pour aller au Cana. Il y a pour passer en Cana, il faut arranger avec Isaïe. Troisièmement, ce que le pleur de Jacob veut dire, il y a des victoires qui se remportent par la perte de son identité, l'humilité. Jacob a lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec Laban. Il est sorti vainqueur. Mais il y a d'autres victoires qui ne demandera pas tes muscles. Je me rends dans l'église ce matin. Dans ton cœur, tu ne fais jamais la théophilie. Il y a toujours un côté faible. Tu peux être fort physiquement, mais dans ton cœur, tu ne seras jamais fort. Et parfois les victoires à remporter dans ce domaine-là demandent parfois que tu perds ton identité. Que tu t'humilies. C'est possible même qu'un père demande pardon à son enfant. C'est possible même qu'une mère demande pardon à sa fille.
Et lorsque tu le seras, tu vas remporter une très grande victoire. La paix sera rétablie. Le calme va revenir. C'est possible même que le chef de la famille, l'homme que tu es, que tu demandes pardon à ton épouse. Toutes les victoires ne se remportent pas par le pic. Mais se remporte pas par des titres académiques, mais par l'humilité. Je reconnais cette raison pour laquelle je demande pardon. Avançons. Tu ne peux pas avancer avec cela. Tu connais l'épine qui ronge. Vous pouvez bien continuer. Vous pouvez bien progresser, mais il y a quelque part quelque chose qui dérange. Et le moment que ce soit. Amen. Quatrièmement, seul le temps me mettra en scène pour revivre les beaux, la belle époque. Seul le temps. Et ce temps, c'est ce matin. Ne vois-tu pas que les appels de ton frère là te manquent parfois? Ne vois-tu pas que les bonjours de ses collègues là te manquent des fois? Il y a des fois tu peux faire semblant devant les gens. Oh, le tort qu'il m'a causé. Bon, en réalité, j'ai oublié. Lorsque tu vas vérifier ton album photo, tu regardes ce que vous étiez dans le passé. Comment vous étiez en train de rire ensemble. Mais aujourd'hui, tu as du mal à commenter même cette photo. Parce qu'aujourd'hui, entre toi et lui, le dialogue est passé. Fais semblant, Jean. Dans ton cœur, ces sourires-là te manquent. Ces appels-là te manquent. C'est aujourd'hui le temps d'arranger. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura pas trop d'amen. On n'a pas de choix, on doit avancer. Sa présence te manque quelque part. Tu semblais être fort. Mais lorsque tu regardes, mais même si on cite son nom, ça ne va pas à l'intérieur. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est réellement arrivé? Parfois, le pleur de Jacob nous dit ce matin, arrangeons. Ça ne sert à rien de continuer. Mais quelqu'un est en train de tirer la vie chrétienne de quelqu'un. Tu n'arriveras pas en Canaan sans arranger avec Isaïe. Même c'est celle-là qui a jeté le discrédit sur ton mariage. Parce qu'elle ne voulait pas que tu te maries. Et tu le sais réellement. Tu as cherché dans tout l'album. La photo de cette tante-là ne figure pas. Bon, même si elle n'est pas là, qu'est-ce que ça fait? En fin de compte, on s'est marié. Tu le sais qu'à l'intérieur, même si tu as dit cela, mais ça ne va pas. Il fallait quand même qu'elle soit là. Il y a parfois certaines gloires, certaines cérémonies dans la vie, certaines élévations. Il faut que Esaïe soit là présent. Et tu le sais réellement. Tu avais commencé ta carrière avec lui. Mais à un certain temps, vous êtes disputé. Querelle est arrivée. Mais aujourd'hui, tu as été promu. Mais lorsque tu regardes ton parcours, l'autre là n'est pas là. Vous avez commencé cette activité ensemble. Vous avez commencé ce projet ensemble. Mais lorsque vous êtes élevé, le succès est arrivé, la célébrité. Mais lorsqu'il faut parler de l'histoire,
C'est là où ça blesse. Comment pourrais-je parler de l'autre? Et si on me posait la question, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je prie à quelqu'un ce matin. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut arranger. Tu ne connais pas ce que demain garde. C'est aujourd'hui qu'il faut réparer. Je prie que quelqu'un se lève ce matin et qu'il déclare dans son cœur tout haut: advienne que pourra, jamais Cana sans arrangeant avec Esaü. Deuxièmement, ce que veut dire le pleur d'Esaü maintenant. Ce que veut dire le pleur d'Esaü. La première chose, le pleur d'Esaü veut dire la joie d'un frère, d'un époux, d'un épouse, vaut plus que nos différends. Lorsque Esaü vient embrasser Jacob et qu'il est en train de pleurer, il pouvait lire que je voulais participer à sa joie. Je voulais participer à son bonheur. Et sa joie vaut plus que les amertumes que j'ai eues 20 ans passés. Je prie à un frère. Tu as déjà donné ton cœur à Jésus. Et ce matin, il y a des gens qui n'attendent que ton pardon. Il y a des gens qui n'attendent que tu les libères. C'est que plus important, c'est de les voir joyeux, c'est de les libérer, c'est de les voir mener leur vie dans toute liberté. Ne bloque pas les gens. Même si tu avais raison, c'est toi qu'on a offensé, c'est toi qu'on a humilié, c'est toi qu'on a minimisé. Lorsque les autres chantaient, il n'y avait pas de problème. Lorsque toi tu chantes seulement, c'est là qu'on fait la différence entre chante et chante. Je prie que ce matin que tu libères ton cœur. Tu as besoin de voir aussi les autres évoluer. Amen. Donne-leur la chance. Donne-leur l'opportunité. Tu n'as pas besoin de t'enraciner et de te fixer sur tes problèmes passés il y a 20 ans. Mais libère. C'est alors que toi aussi tu vas te rendre compte que la joie vaut plus que les différences. Et l'équipe en balanion sera la cause de la. Deuxièmement, il y a des balais. Le pleur d'Esaü. Olela, il y a Esaü. Veut dire. Et l'école va les sources. Celui qui approuve le pardon ne voit plus le passé. Oyo, à Congolais, mon thème en limite pour que le ça. J'ai appris une grande leçon dans ce domaine-là. C'est dans le domaine de ceux qui veulent nous créer des sentiments de rejet, de rébellion. Parfois dans la vie, ceux qui nous quittent. Le cœur des pasteurs sont parfois blessés à cause de ces attitudes, de ces comportements. J'ai appris une chose: ceux qui quittent l'église ne peuvent jamais se transformer en ennemis. Je suis en train de le dire à un serviteur de Dieu. Est-ce que savons-nous que nous serons ensemble au paradis? Et pourquoi avoir des contentions envers ceux avec qui nous serons ensemble au paradis? Tu peux quitter l'église, mais tu restes un frère. Tu peux quitter l'église, mais tu restes une soeur. Je n'ai pas besoin de te saluer simplement parce que tu pries dans cette église. Mais même si tu l'as quitté, tu as même fait une église, je ne sais pas quoi là, ça m'importe, on reste frères.
Je prie que ce matin que tu commences à prier pour ton cœur. Car que tu le veuilles ou pas, les gens vont toujours quitter. Et s'ils sont sans, tu auras sans problème. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les églises. Mais si bien même le pasteur peut être tolérant. Mais les fidèles, quand vous vous rencontrez en cours de route avec ceux avec qui vous priez ensemble, quand vous les voyez en cours de route, comment vous les saluez? Ceux qui quittent ne sont pas sorciers. Et qui connaît les voies de Dieu? Et ça nous peut rester en famille. Mais chacun peut partir. Et les deux seront bénis un jour. Les deux seront bénis. Oh, que je me rappelle de mon premier emploi. Que j'avais quitté une église pour une autre. Mais le Dieu qui devait me prendre dans cet emploi. M'a suivi jusqu'à Philadelphie. Et on m'a fait vraiment raconter ce qui se disait là-bas. Allez-moi dans notre église. Mais pourquoi? Je prie à quelqu'un, on reste frère. Le jour de l'enlèvement, le Seigneur aura pas une liste. Amen. C'est de Philadelphie. C'est de je ne sais de quoi. L'éternel sait une seule chose. Nous sommes appelés fils de Dieu. Amen. Et non fils des églises. Amen. La gloire de la liste est pour la semaine. Nous sommes appelés l'enfant de Dieu. Notre cité c'est le ciel. Notre cité n'est pas Philadelphie. Notre cité c'est céleste. Philadelphie va passer. Mais l'évangile qui te touche ne passera jamais. C'est ça le message de l'évangile. Que profond c'est la honte. On se retrouve dans les obsèques, dans les funérailles, dans les fêtes. Mais les chrétiens ne savent plus ce Seigneur. Mais tel était dans telle église, il est passé dans cette autre église. On ne sait plus ce Seigneur. Et c'est aujourd'hui l'évangile. Je prie à quelqu'un, l'attitude du surnaturel te dit de saluer même. S'il faut même donner un présent à celui qui n'est plus précis, cela ne va rien arranger, cela ne va rien enlever. Mais au contraire, tu diras, celui-ci est aussi enfant de Dieu. Amen. Notre Père, ce n'est pas le pasteur. Amen. Notre Père, c'est celui qui est au ciel. Amen. Tata la mission, et ça, on a fini, Navalona. Même si tu ne me dis pas Amen, je m'en fous. Même si tu ne me dis pas Amen, c'est ton problème. Je me le dis à quelqu'un, 20 ans se sont déjà passés. Enlevez le conflit, saluez-vous. On reconnaît les chrétiens s'il y a l'amour en nous. On reconnaît les chrétiens si nous savons l'amour des uns avec les autres. Qui vous a dit que le Seigneur citera le nom de vos églises? D'ailleurs, ces noms-là, c'est vous qui les avez donnés. Église de ceci, église de cela, église de cela. Nous n'avons que le royaume des cieux. Et c'est ça la question. C'est ça la question. C'est ça l'éternité. Mais aujourd'hui, on est dans des emplois où on engage le ciel de son église. On part dans telle entreprise, on engage le ciel de son église. Et puis à quelqu'un, Jésus n'était pas mort sur le ciel. Mais Jésus était mort. Maître personne créature qu'on a créé. On a créé avec la terre. Et tout le monde faut terminer leur vie dans des cimetières. C'est à cause de cela que Jésus est mort. Amen. Où est l'amour? Où est l'amour aujourd'hui? On ne se salue que quand on est riche. On ne se salue que quand on est des moineaux. Et on s'est dit là, c'est nous
Les mamans de Philadelphie. C'est nous les papas de Philadelphie. C'est nous Philadelphie. Je vous en prie. Si l'amour n'est pas là, ce qui vous dit, Philadelphie. Fila. Ne va pas te sauver. Et vous dites ça quand il y a. Troisièmement, ce que veut dire le pleur d'Esaïe. Le temps est le meilleur juge de nos actes et de nos réactions. Lorsque nous lisons le verset 41, Esaïe s'était dit, le jour où mes parents ne seront plus là, je vais régler le compte à mon frère. Fureur et colère ont envahi le cœur d'Isaïe. Mais après, le temps a donné raison. Jacob, en fuyant, c'est parce qu'on lui a rapporté ce qui était les propos de son frère. Et donc, c'est là qu'il y a un et il était tellement effrayé et rempli d'angoisse qu'il se disait en lui-même, assurément aujourd'hui, aïe aïe aïe, c'est fini. Mais lorsque Esaü a vu Jacob, il y a un temps où les émotions sont fortes. Mais il y a un temps aussi où ces émotions qui étaient fortes vont baisser. Seul l'amour, là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Esaü a vu le temps. Esaü a mon ami Tango. Il y a un temps. Esaü a Tango. Où ta colère doit s'arrêter. Et c'est qu'il peut casser si la vie. Et cela n'est possible qu'il suit du pardon. Et quoi qu'il soit, les macaques à ceux qui y ont. Quatrièmement, le pleur d'Esaü veut dire. La réconciliation commence par le pleur. Et se termine par lui. Le pardon n'engendre que l'unité. Le pardon n'engendre que l'unité. Les distances que vous prenez là, ce n'est pas le pardon selon Dieu. Quand Dieu pardonne, avec lui, vous serez dans les minutes qui suivent au paradis ensemble. On ne pardonne pas pour garder ses distances. Mais on pardonne pour être maintenant unis. Le pardon donne l'accord entre deux personnes qui étaient en désaccord. Raison pour laquelle je me retire à l'église maintenant. Pardonnez. Pardonnez encore. Et pardonnez. Le monde est rempli de problèmes. N'ajoutez plus de problèmes sur les problèmes. Je vais ajouter encore à l'église. Réconciliation. 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 Ne sors pas de cette porte en allant régler des comptes aux gens. Ne sors de cette porte en étant libre. Et c'est ça le pourquoi de l'église. Lorsque nous venons pour prier, nous venons pour soumettre nos problèmes aux pieds de Jésus. Esaïe était en train de dire, Jacob, j'ai appris une chose, mes charges, mes fardeaux, je les ai soumis aux pieds de Dieu. Et quand je sors,
Je ne suis plus une autre personne. La personne qui était entrée n'est plus la même qui est sortie. Est-ce que tu peux prier? Il t'a donné un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Il t'a donné un cœur de pierre. Mais un cœur de chair. Et ça, mon thème, il y a mon souvenir. Nazalissus, nous, 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 nous,